Moi actuellement, je peux te dire que j'ai fait 79 bornes 5 depuis le début du plein. Et que j'ai 57 103 km. T'as vu ça? C'est un code postal de chez vous, ça, non? Ah tiens, tu vois, on était pas loin. Hein, on était pas loin. C'est sûr que si maintenant faut que tu klaxonnes parce que t'as un souci, surtout que t'as un échappement d'origine, c'est pas top. Hein. Ah bah s'il faut que tu dises, tu vois, c'est ça, s'il faut que tu dises, je suis là, tu vois, avec ça tu fais. Parce que si maintenant tu klaxonnes, tu peux pas faire ça. Ouais, voilà. Que dalle. Ah non, que dalle. Ah, je vais voir, peut-être qu'avec un peu de chance, le mec il est assez gentil pour nous laisser son PC 10 minutes là. Histoire de que je vide mes cartes là. Sinon, il va falloir que je gruge. Non, bah non, le PC de Kevin il est trop vieux en fait. Il est trop vieux, il est pas assez puissant. Et du coup, quand j'ai essayé, ça me marquait error, thread, machin, tout ça. Genre, je sais pas si c'est le processeur qui arrivait pour suivre ou une merde comme ça, mais c'était un peu galère quoi. Kilomètre 9. Ah, c'est un bonheur des routes comme ça. Ah ouais. Ah voilà, parfait. Bon, on va tourner là. Procédons. On va descendre là. Ça va être sympa. Quoi. Ah, attention, l'état de la route, pas dégueu. Ça va. Oh, elle est belle. Oh, ah oui, on voit bien les stratures sur le bord là. T'as vu les stratures? C'est comme des strates mais en voiture. Et les stratures. T'as un machin qui fait 500 chevaux. Franchement, tu veux pas hein, la jaune, jaune. Mais la mienne, c'est un. Ça, c'est un jaune pipi. Tu sais, ça, c'est un. Non, yalla. Je ne me laisserai pas avoir. Oh merde. Coucou. C'est pas moi. Puis tu sais, de toute façon, l'essentiel c'est d'arriver au bout en vie. Et puis regarde ce que le paysage nous offre. Une vallée qu'on voit pas beaucoup, mais qu'on voit un peu quand même. Ah, il y a un kart. Oh, viens, on fait un tour de kart avec les motos. C'est beau. J'ai entendu l'échappement du gars passer dans ton intercom. Ça a l'air d'être ici. On est beau là. Là on est bien là.
Là, on est bien, bien, bien. Hein. Une petite YBR 125 comme ce mignon. C'est beau ça. Bon, on va acheter un motoculteur. Imagine, tu reviens avec un motoculteur derrière la moto. Excusez-moi les gars, chat compulsif. Je peux plus rester, je l'ai vu là, il était tout blanc, tout beau. 2 hours later. N'empêche, tu vois, c'est ça qui est bien. Alors d'ailleurs, il faut que je remercie Coursieux Moto. Coursier moto, moto quad, motoculture à Coursieux, voilà. Voilà, un gars super. Il nous a prêté son PC pour pouvoir transférer les vidéos de la GoPro sur un disque dur. Il nous a dépanné un petit bout de métal, une plaque. Enfin, parce qu'on a Adolphe, il a perdu sa plaque sur son SM. Et donc il nous a bien dépanné pour un prix défiant toute concurrence. Voilà, on peut même pas donner d'ordre de prix tellement c'est bien. Donc on remercie Coursieux Moto pour la petite plaque bien comme il faut. Voilà, n'hésitez surtout pas, à jamais. N'hésitez jamais, jamais n'hésitez. Voilà, allez, nous on va se remettre en route. Ouais. Allez, en avant Guingamp, c'est parti. Et il a un klaxon, il a trouvé un klaxon. Donc c'est quand même dingue de se dire que même en road trip, eh ben, il y aura de la mécanique. Et ça, c'est beau, mon copain. Et avec un peu de chance, on va reprendre les belles routes qu'on a prises avant. Ah ça, non, j'en salive de bave. J'en bave, ah moi j'en bave. Salut. Oh. Vas-y, je t'attends. Oh, c'est beau ça, la classe. Oh, la classe. Ah, t'as vu ça? T'as vu tout ce que tu peux faire avec un klaxon? Tu peux attirer de la donzelle avec un simple coup de klaxon et ne plus avoir l'air d'avoir un klaxon de faible, en fait. T'as vu ça? Mais ça, tu sais ce que c'est, ça? C'est le jaune, ça. Ça attire l'œil. Puis elle avait l'air belle et jeune, elle avait encore l'œil vif. Aïe. Là, il y a une auto-école, tu vois. Quand j'aurais réessayé la XSR et que j'aurais perdu mon permis pour un grand excès de vitesse, bah, je pourrais le passer ici. C'est ça. Je l'ai d'ailleurs déjà réservé. Ah, franchement, mais tu vois, c'est ça qui est bien dans les petits garages. C'est comme je te disais, tu vois, le gars, que ça soit chez moi en Alsace, là, le petit garage, le petit gars qui bosse tout seul, ou dans le cas là, le mec là, c'est que le gars, bon, il t'a vendu un klaxon et une plaque. Dans le tout, il a gagné 20 balles, tu vois. Et c'est ça, oui. C'est ça. Plus la consommation électrique de l'ordinateur, c'est, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Exactement, c'est vrai. Plus le virus tout court, parce que j'ai éternué sur les touches. Alors dans 200 mètres, on va tourner à gauche, sache-le. Droite, pas gauche, pardon. Bah, c'est une information, mais... Ouais, mais il y en avait une quand même. tu sauras. Bah, je te dirai, prépare-toi à tourner et voilà. Exactement, tu feras le tri, tu débrouilles. Belle goutte, oh la belle goutte. Tu sais, quand tu fais pipi et que tu la secoues une fois, oh la belle goutte. Ah, oh là. C'est, oh, mais de toute façon, t'as toujours été poétique, tu le sais ça. N'en doute jamais, ne doute jamais de toi. Jamais. Jamais. Allez hop. Attends, je te le dirai s'il y a du monde ou pas. Dans le virage, il y a une voiture. Tu vois? Et après la blanche, tu peux y aller. Oui, oui. Ah oui, sûr. Wap, pop, pop. Avec sa belle machine surpuissante. C'est l'homme qui fait la machine. Moi, ma machine, elle m'a dit 60 degrés, cycle éco. Non, c'est la machine à laver, ça. J'ai fait tourner une petite laine, ça faisait plaisir. J'ai mis un peu de coton et c'était très bon. Et c'est parti. J'étais tranquille sur une petite... Non putain, c'était quoi de nouveau? J'étais tranquille dans le fond de mon garage. Toi qui bricoles, toi qui bricolais sur ton petit CB. Bon, on a qu'à reprendre depuis le début ou pire. Hein. On est pièce après, c'est bon, tu peux y aller. Hein.
C'était un petit road trip dans le fond des Vosges. Ah putain, mais après faut trouver une rime en rouge quoi. Oh, faites chier les Vosgiens. Vous n'allez pas arrêter de rire pour récupérer la plaque d'Adolphe qu'il avait perdu comme un con parce qu'il a ouvert comme un cochon. Il a pas payé la goutte, mais c'était bien. On ne regrette pas d'y être allé. Même si bon, on a quand même payé. Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une bosse troquée. Cette vie morose contre le parfum d'une rose. Et l'hymne de nos campagnes. Ah ouais, elle est bien. Et ils ont fait aussi la corrida, tu sais. Ah bah oui, bah voilà, bah c'est ça. Je suis con. Ouais, la chloroquine. On a failli se toucher. Oh, on a failli faire un Jack the Body. Allez. On s'était quand même bien amusé. Et les man feraient là-bas des choses. Il est grand temps de tomber une vitesse pour aller un peu plus fort et faire chauffer les pneus. Vas-y, gros, pose le genou, vas-y, viens-y, à bout. C'est, tu veux procéder à la cache de la plaque d'immatriculation, voilà. Cache bien. Voilà. On va voir si la trouve. Ah ouais? Alors tu as bien le fouillé, Je vais, commencer à le fouiller. Là, vas-y, fouille-le, ah, oui. Voilà, c'est ça. Vas-y, fouille-le la carte. Ah là, vas-y, c'est bon. C'est bien là, tu la sens bien la carte. Là, vas-y, regarde. Oh non, il t'a mis 88. Eh ouais. Putain. Regarde un peu mieux la plaque. Regarde un peu mieux la plaque. En bas. Ah là oui. Ah là oui. J'ai dit qu'il serait partagé entre la joie et la tristesse, t'as vu? Et puis il en a loupé une qu'il nous a offerte, elle est un peu loupée, comme ça on pourra te la dédicacer si tu veux, elle est gratuite celle-là. Comme ça tu peux en mettre une derrière, une devant. Ouais, mais bon, au moins il l'a personnalisé, tu vois. Ah, whisky man. Et donc il nous a filé deux fer plats avec des vis autoferrantes, si jamais il faut, et sinon il nous a conseillé de trouver une solution autre. Oui, oui. Parce que moi en fait c'est un thé de menuiserie en fait. En fait ce qu'on pensait que j'avais déjà plié. Ah oui d'accord. Et ce ben c'est ce qui va arriver en fait. Mais là c'est ce qui va arriver. Donc replier ça. Mais je serais d'avis peut-être de le démonter pour le replier parce que là j'ai peur de péter les trucs. Là faut le démonter. Ben là il est fixé sur du plastique mais. Ouais donc faut qu'on le démonte. En fait le problème c'est qu'il faut avoir toutes les clés. Pour le démonter, lui, en fait, il faut enlever le carénage au-dessus parce que là, en fait. Mais c'est quoi comme clé? C'est pas des trucs compliqués, ça reste du Torx ou du Allen. Oui, ben là, t'as du Allen là. Oh, pardon. T'as du Allen ici. Oh. Ouais, mais ça j'ai. Hey, tu vois, quand même. Tu les aurais cherchés encore. Hein. 1 hour later. Ah, c'est beau. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de justifier ou pas? D'expliquer. Alors ça, c'est ce qui arrive quand on essaye de se mettre dans la légalité. Voilà. Comme parce quoi. Que j'avais une plaque d'immatriculation qui était comme ça. Toute bien. Ici, toute bien, bien fixée, qui ne bougeait pas. J'ai fait plus de 4000 bornes avec. 2 jours après avoir changé, avoir mis une plaque un peu plus droite, ben. Quelle idée. C'est pété. Mais quelle indignité! Support de plaque que j'ai payé 50 balles. Putain! Qui a duré même pas 2 jours. Comme quoi, mettre une plaque. Inutile, sert à rien. À la douche! Après une bonne bière. Oui. Il est où d'ailleurs le tavernier avec les lunettes là? Alex? Il est descendu. Alex! Alex, j'ai soif! Ça, c'est professionnel. Le gars, il est d'été. Non, mais c'est juste pour. Voilà! C'est bon, voilà. Bah voilà, elle est belle, elle est nickel. C'est qu'il reste du support de plaque shaft à 50 balles. C'est bon. Alors sors-nous de la plaque. Ah oui. Celui du bas, il est plus gros. Hein. Il va falloir flûter la plaque. Les manouches. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je le mets dedans. C'est pas un pistolet, donc. Gaffe. Oh. T'es un bourrin quand même toi. Hein. Voilà. T'es vraiment un bourrin. Hein. Ah c'est bon. Voilà. C'est bon. Ok. Mais c'est bon, nickel, ça va, merci. Ouais, c'est nickel.
Non, t'en as pas. Là-dedans, il n'y en a pas. Faut que tu te méfies plus de la marée chaussée quand même. Hein. C'est mec, c'est pas parce que t'es en Martinique. Mettre bien en phasage. En phase. Alors, je vais te la mettre comme ça. Voilà, voilà. Hop, voilà. J'arrive avec un bon coup de cul. Un bon élan. Voilà, comme ça. Tac, et comme papa dans le moment. Allez, 1, 2, 3. Double. Encore. C'est nickel. Voilà. Même pas galérer. Tout facile. Tout bien. Tout est bien. Tout bien, gars. Putain, je vais serrer un mort comme l'autre. Après, je sais pas comment on va se démerder, comme il disait, nous, demain, pour tout rentrer. On laisse les clés dessus ou bien bah, de toute façon, on laisse la porte de garage fermée, et puis quand les vidéos sortiront, on sera déjà rentré, donc... Ah ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça, c'est beau, mon copain. Le garage moto qui va bien.